Salut tout le monde, c'est Hyper. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo sur Minecraft, donc ma première vidéo Minecraft. Donc je fais cette vidéo suite à la vidéo que je vous avais faite pour savoir quel jeu vous aimeriez bien avoir. Donc j'ai eu 5 commentaires, 2 Minecraft et 3 Castle Clash. Donc pourquoi je fais Minecraft avant Castle Clash? Tout simplement parce que voilà, c'est un jeu PC que j'aimerais bien. Enfin, j'ai envie de voir ce que ça peut donner un jeu PC à faire en vidéo. Donc j'espère sincèrement que vous aimerez cette vidéo parce que honnêtement je fume avec frappe, c'est les temps de plot avec frappe sont assez violents. Même si je monte la vidéo enfin avec Camtasia qui réduit, je vais peut-être avoir 2 ou 3 heures de plot, donc je ferai ça le soir. Donc c'est vraiment des vidéos très très longues à upload, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Et si ça vous plaît pas, bah je vois pas pourquoi je continuerai à faire des vidéos comme ça. Parce que c'est très extrêmement long. Moi je fais vraiment ces vidéos parce que pour que ça vous plaise, parce que voilà si ça vous plaît pas, moi enfin je peux très bien jouer à Minecraft de mon côté sans vidéo, donc je fais vraiment ça pour vous, donc j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui on est parti pour un totem, donc sur la map laser. J'ai voulu faire une vidéo, enfin j'ai fait une vidéo sur la map orc avant, et honnêtement c'était nul. Ce qui était nul, c'était en fait je connaissais pas la map et je sais pas, j'aimais pas. Donc honnêtement je trouve que cette map elle est largement mieux. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe du totem, donc là vous voyez il y a deux camps, donc les bleus et les rouges. Vous voyez là au fond un pilier avec de l'obsidienne à l'intérieur, donc il faut aller sur ce pilier et détruire tous les blocs d'obsidienne à l'intérieur. Donc ouais, donc là vous voyez, donc moi je prends le kit avec, j'ai une épée en pierre, un arc, une hache, une pelle en pierre et pardon, tout le monde a une pioche en diams pour pouvoir péter l'obsidienne bien évidemment. Et donc le but, donc c'est par équipe d'aller péter ça. Sur la map il y a une base neutre au centre avec des éléments pour faire des popos, mais bon ça faut certains kits, hein. Il y a quasi personne qui va faire des popos. Donc en fait on a le choix, soit on y va en cuir avec le stuff de base, ou alors on se fait un stuff fer. Là vous voyez des blocs de fer. Donc c'est au choix, donc c'est un mode je trouve assez fun. Sauf que vous voyez là ce qu'il y a entre les deux, en fait c'est en bas, c'est en dessous. Et donc moi des fois je m'amuse à faire des ponts sur toute la longueur. C'est assez marrant. Donc voilà. Donc la partie va bientôt commencer. Donc on va dire merde. Ah parce que voilà moi ma touche entrée ne marche pas pour le chat. Donc good luck, voilà, donc bonne chance pour ceux qui ne comprennent pas. Donc la partie va se lancer dans 60 secondes. Donc je fais une petite ellipse hein, jusque là. Donc à tout de suite. Donc re tout le monde, donc la partie est sur le point de démarrer, donc 4 secondes. Donc là les gens s'amusent à dire leur âge, donc ils disent 50 ans. La communauté française de Minecraft hein, une des plus mûres bien évidemment. Alors là, donc là ce qu'il faut faire gaffe, parce qu'en fait il n'y a pas de pont au départ, il n'y a pas de pont, donc voilà. Donc moi je rush, faites des ponts les gars, saute, gros fail. Je m'en fous en fait, voilà, vous voyez, hop on respawn et on est reparti. Donc en fait je tombe à chaque fois. Au début je tombe parce que je veux rush à chaque fois. Et en fait avec tous les joueurs je vois rien avec tous les joueurs. Mais cassez-vous là! Voilà, donc là c'est la grosse fight. C'est parti, on arrive dans le tas comme ça là. Ok. Hop. Moi je recule, je prends mon arc. Boum, 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 boum. Oh. Attendez. Attendez. Ah j'en ai tué un. J'en ai bourriné un à l'arc. J'en ai tué un. Bon moi sur cette map voilà, au début ce que je fais c'est que je rush comme un fou. Donc voilà, hop. Donc là voilà, là on va rush, on a pris des positions. Oh comment je l'ai poussé le gars. Voilà. Donc ouais, donc le mec je crois qu'il avait une épée enchante.
je crois, hein. D'après ce que j'ai vu. Ah, parce que le mec il m'a mis 4 coups et il m'a tué. Donc c'est parti, hein. Bon, on va miner un petit peu. Alors, en fait, moi ma technique c'est vraiment au début je rush, j'essaye de faire quelques kills et après je me pose. Hop, du bois. C'est vraiment ma technique. Rusher vraiment au début, après hop, on y va mollo. Voilà, on se la joue pépère. Donc là c'est un petit stuff classique, hein. On va s'enchanter tout ça parce que oui, donc on peut enchanter, voilà. Donc en fait, on aura vraiment un avantage. Pardon, j'ai mis ma main devant le micro. On aura vraiment un avantage si on... comment? Si on... Non, c'est marrant ça. Gamin. On aura vraiment un avantage si on... Ah ouais, en fait j'en avais déjà. Si on, bah, on s'enchante, donc on gagne quasi tous nos duels parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens enchantent. Enfin, il n'y a pas des masses de gens enchantent. Mais le problème c'est que des fois quand on se prend à plusieurs, bah même enchant on peut pas faire grand chose. Et donc moi ça me dégoûte quand j'ai. Voilà, comme là, vous voyez, j'ai passé plusieurs. Enfin, j'ai passé quand même un peu de temps à faire ce stuff et que je me fais tuer, ça me dégoûte pas mal. Je vais aller chercher d'autres blocs. Un peu de pierre. De la pierre là. Hop, et du verre. Voilà. Donc en tout cas cette map, j'aime beaucoup le style de cette map, je trouve elle est très très jolie. Ah oui, c'est vrai qu'on peut. C'est qu'on peut s'enchanter ici pour se faire des trucs plus puissants. Tranchant 2, voilà, c'est vraiment. C'est vraiment pour être assez. Enfin, c'est vraiment pour être. Pour faire des dégâts. Donc voilà, donc là on a un avantage. Mec, on est là. Vous voyez où on est. Ça vous donne un gros avantage. Allez! J'ai pas du tout récupéré. Donc là j'ai plus de flèches. Excusez-moi, je suis quand même pas mal si en fait j'ai peur de rush. Cover me, coéquipier. Oh, j'ai peur. Oh. Hop. Ah, les arcs font très très mal. Ah ouais, ça rush comme ça là. Hop, donc là on va reculer, on va régénérer un tout petit peu. Et on va aller dans la fight. On va donner son corps dans la fight. Oh là là là, reculons, 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 ils ont des pommeaux de régène. Reculons tous. On la repousse, on la repousse, on la repousse. Oh, j'irai pas, ils sont beaucoup trop, j'ai pas envie de perdre mon stuff. C'est parti. Ça va. Yeah. Ok. Comment c'était sûr? Ah là là, ça m'énerve. Je suis en fait le mec il m'a fait tomber. Enfin il m'a pas fait tomber, il m'a tapé mon. Quoi? Pas GG, attends. Quoi?
En fait, on s'est fait rush et en fait on se battait tellement au milieu qu'il y a des mecs qui sont passés discretos et ils ont pété le totem. Ah ok. Donc cette première vidéo Minecraft s'achève sur un gros fail. En plus voilà, comme je joue pas beaucoup à Minecraft en ce moment, bah j'ai pas été génial, j'ai fait que 2 kills je crois. Pas génial génial. Pour 3 morts je crois. Ouais bon c'est pas génial hein. Mais bon, on s'est fait un peu couiller là sur ce coup-là. J'aurais peut-être dû m'amuser à les rush aussi. Bon bah c'est pas grave, hein. C'était juste une petite. C'est pas une vidéo sérieuse parce que voilà, c'est la première vidéo de ma chaîne juste pour vous montrer. Voilà, mes talents Minecraftiens. Bon, en réalité, je joue mieux que ça d'habitude, hein. C'est juste que là, comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft. Donc voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur Minecraft vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou à vous abonner. Et je vous dis, c'est très important parce que ça me prend vraiment du temps d'upload, hein. Donc vraiment, si vous avez aimé, likez, commentez, voilà, ou abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis au revoir. Allez, salut tout le monde.